extrêmement merveilleux, dénommé Hanouka. Et que ce soit à 6h, que ce soit à midi, que ce soit à partir de 16h30 ou que ce soit à minuit, le Seigneur est en train de visiter les gens d'une manière extraordinaire. Le Seigneur est en train de délivrer, d'opérer des miracles et de changer la vie des gens. Et je crois que la bonne chose avec Hanouka 2022, qui est la même avec toutes les autres années d'Hanouka et ailleurs, mais c'est qu'encore une fois cette année, nous sommes disposés pour encore plus prier. Nous sommes disposés pour encore plus nous associer avec les soupirs de l'Esprit. Nous sommes encore plus disposés pour nous associer avec le mouvement de l'Esprit afin de nous tenir et nous lever dans la prière. Je tiens également à remercier le prophète Joël Francis Tatou, le père de la maison, pour sa confiance et surtout pour sa couverture qui est sur nos vies. Hallelujah. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble les Écritures rapidement dans Daniel 6, Daniel chapitre 6, le verset 10. Marie patila va itala suta levadeshe. Daniel chapitre 6, le verset 10. Avant de lire cette écriture, j'aimerais nous rappeler une chose qui est très importante. Dans le combat spirituel, il y a une chose qui est beaucoup plus importante que des lamentations. Et c'est la prière. Parfois, on peut se tromper ou oublier que la prière et les lamentations sont deux choses différentes. Et ce sont deux postures différentes, ce sont deux langages totalement différents. Mais lorsqu'on se met sur un terrain de guerre, ce n'est pas un terrain où on remporte les victoires avec les larmes, mais c'est un terrain où on remporte les victoires avec la puissance et le pouvoir. Amen. Hallelujah. Amen. Maintenant, le combat spirituel n'est pas les émotions. Le combat spirituel n'a rien d'émotionnel. Une guerre n'a absolument rien d'émotionnel. Par exemple, on s'assure que lorsqu'un soldat est mis sur la ligne de front pour aller au combat, on enlève un certain degré d'humanité en lui. On enlève un certain niveau de sensibilité en lui. Parce que dans le terrain de la guerre, si on se bat avec les émotions, on n'en sortira jamais vivant. Yes. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il y a deux choses que je vais souligner rapidement. La première des choses, c'est la posture. Lorsque je parlais du fait que dans la guerre, nous ne pouvons pas être émotionnels, la première des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons retenir, c'est que la posture que nous occupons en face du combat déterminera également la chose qui sortira de nous face à ce combat. Daniel, quant à lui, avait pris une posture spécifique. Il était à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'était une habitude. Mais la chose différente que Daniel a fait cette journée-là, c'est laquelle? Le jour que le décret a été fait, qui pourrait carrément enlever la vie de Daniel, qui était une menace pour la vie de Daniel, ce que Daniel fait, c'est qu'il ouvrit les fenêtres qui donnaient sur le temple de Jérusalem et il invoqua son Dieu. Now, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est que lorsque Salomon fit le temple de Jérusalem, Salomon fit une alliance avec Dieu. Comme quoi, chaque personne qui se tournera vers le temple, que tu puisses te souvenir d'eux, que tu te souviennes de leurs prières, que tu te souviennes de leurs cris. Comme quoi, cette journée-là, je crois que si Daniel ne se serait pas appuyé également sur cette alliance, peut-être que Daniel serait passé. Parce qu'il y a des niveaux de combat qui demandent beaucoup plus que notre simple foi. Il y a des niveaux de combat qui demandent beaucoup plus que notre simple niveau de spiritualité. Il y a des niveaux de combat que l'on remporte seulement lorsqu'on s'attache à une alliance qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Hallelujah. Amen. Et par celle-ci, je suis en train d'expliquer ceci.
pour notre part, nous avons beaucoup plus que Salomon. Lorsque Jésus-Christ fait son sacrifice à la croix, il nous introduit dans une alliance qui est beaucoup plus élevée que le temple. Voilà pourquoi il dira, le temple, je vais le détruire et le rebâtir en 3 jours. Jésus a rendu cette alliance beaucoup plus parfaite. Alors cet après-midi, j'aimerais que lorsqu'on va se tenir dans la place de prière, qu'on soit conscient que la posture que nous prenons n'est pas la posture de personnes qui se présentent juste dans un terrain de guerre avec des armes qu'ils ont ramassées à la maison. Mais ce soit la posture de personnes qui savent qu'en réalité dans ce combat ici, c'est mes problèmes, c'est ma situation qu'un général est en train de porter. Parce que ce qui va se passer cet après-midi, c'est qu'en réalité nous ne combattrons plus nous-mêmes, mais nous nous positionnerons d'une manière à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse combattre pour nous. Amen. Alors, nous allons faire un premier point de prière. Ce n'est peut-être pas le combat, mais vous comprendrez pourquoi nous commencerons par cela. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves avec moi, que tu sois chez toi, peu importe où tu es. Nous allons invoquer le sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang sous lequel lorsque nous nous présentons, ce n'est plus nos forces, ce n'est plus nos capacités, ce n'est plus nos connaissances qui comptent, mais c'est l'efficacité et l'effectivité du sang. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix avec moi et que tu pries. Nous invoquons maintenant le sang de Jésus. Shalabayan telelebo satili braika la douchata malempa le braika lisabiri sikitili braika mantelebo sha. Father God, we pray in the name of Jesus and we call upon the blood. Nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau sur nous. Nous invoquons le sang de l'agneau sur nos vies. Nous invoquons le sang de l'agneau sur cette église. Nous invoquons le sang de l'agneau sur ce programme. Nous invoquons le sang de l'agneau sur nos familles. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes, sur nos projets. Nous invoquons le sang. Nous invoquons le sang. Kalebayan telebacheta la 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 basika la brosata. Il a pris mankele bayan telebrosata la. Impala pala pala katala. Et la pressanti livraika la soupa librari chate. Père, dans le nom de Jésus, nous invoquons le sang, car nous savons cet après-midi que le sang n'a pas été versé pour Christ, mais que le sang a été versé pour nous, afin que comme Esaü, à la bricata, et le cas de Jacob, lorsque nous nous présentons devant le Père, lorsque nous nous présentons devant les circonstances, même si le Père dira, ce n'est pas Esaü, ce n'est pas la voix d'Esaü, mais c'est la peau de Jésus, c'est la peau d'Esaü, c'est la peau d'Esaü. Seigneur, nous savons ce soir que par le sang, nous trouverons accès à avoir la posture qu'il faut afin que dans ces combats, Père, ce ne soit pas nous-mêmes qui nous combattions, mais que ce soit Jésus. Ce soit Jésus. Que ce soit Jésus. Et par là, nous savons, oh, que la victoire est assurée. Oui, nous nous présentons avec nos voix ce matin, cet après-midi. Nous nous présentons avec nos voix cet après-midi. Mais regarde à cause du sang. Regarde à cause du sang. Regarde à cause du sang. La voix est la voix de Keren. La voix est la voix de Keren. Mais à cause du sang. À cause du sang. La personne, c'est Jésus. À cause du sang. La peau, c'est Jésus. À cause du sang. L'odeur, c'est Jésus. À cause du sang. L'odeur, c'est Jésus. We call upon the blood. We call upon the blood. We call upon the blood. Sur nos vies, sur nos esprits, sur nos âmes, sur nos corps. Nous invoquons le sang sur nos noms. Nous invoquons le sang sur tout ce qui nous concerne. Nous invoquons le sang. Shalabaya la 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 basse. Et la brousse qui la vaille. Et malem ta le catela. Sous la brique à ti la vrille. Nani chati va y caladoche. Malabaya.
baya dele baya ela ba su pali brahate kala baya. We call upon the blood. 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 Seigneur, nous appelons le sang. Nous invoquons le sang. Nous demandons le sang. Nous demandons le sang. Nous savons, ô Père, que dans le monde spirituel, dans toute guerre, il faut que le sang soit versé. Et cet après-midi, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. La prakata la vayanka. Et la baba bayante le brossa qui la bayante le brossa. Et l'anka la brossa qui la bayante le brossa. Nous savons, Père, que lorsque nous nous présenterons avec le sang, tu te rappelleras de toutes les paroles que Jésus a dites sur la croix. Lorsque nous nous présenterons avec le sang, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré ce que nous avons fait qui pourrait nous condamner devant toi, nous nous rappellerons de 2 Colossiens 15. Seigneur, là où sur la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées en spectacle où il a enlevé toutes les condamnations qui étaient sur nos vies. C'est par le sang. Nous invoquons le sang. Nous invoquons le sang. Et la bachala la bayaka. Et la bramante le bayaka la bayaka. Et la bramabashita la soupa libra yikata. We call upon the blood. We call upon the blood. Shalevada Kala Supalipa Rekata la Bayankata Lebrikasota la Bayana She Ela Babababashe Rika la Babababashe Ela la 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 la. Listen to me, écoute-moi. La parole de Dieu dira: qui accusera les élus de Dieu? Yes. C'est l'Éternel qui justifie. Yes. Dans 2 Colossiens 14, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a 3 choses qui se sont faites. Oh my God, 4. Il a effacé. Premièrement, Jésus a vu tout ce que le diable, tout ce que les accusateurs de nos vies pouvaient emmener devant le trône de Dieu. Comme pour le cas de Job, il a dit non, non, on ne va pas laisser au diable le temps, même s'il y a des fautes en ces gens, de pouvoir être accusé par le diable parce que je les ai rachetés. Il a effacé cela. La deuxième chose, la Bible dit, oh la prekatalabaya, la chose qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Deuxième et troisième chose. Non seulement cette chose était clouée à nous comme une identité. Yes. Oh yes. My God. Yes. I don't know if you understand. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Dans le combat spirituel, il faut comprendre qu'il y a des lois dans le monde spirituel, yes, qui peuvent faire en sorte que ceux qui viennent contre nos vies trouvent des voies et des droits légaux pour bloquer certaines choses dans nos vies. Yes. Oh, shalaba. Et quand on a la révélation de la parole, la révélation de ce avec quoi nous nous battons, la révélation de l'alliance avec laquelle nous combattons, c'est avec facilité que nous ouvrirons certaines portes. Parfois nous prions des jours et des heures, nous jeûnons des jours et des heures, et ça ne s'ouvre pas totalement. Le problème n'est pas qu'on n'a pas bien jeûné, le problème est qu'on n'a pas eu assez de révélation par rapport à l'alliance. Alors, il dit, il retire la condamnation. Cette identité qui nous avait été donnée, identité de ceux qui ne pourront jamais prospérer, identité de ceux qui sont attachés à la pauvreté, identité de ceux qui ne vont jamais se marier, qui ne vont jamais enfanter, qui n'auront jamais plus de $500 dans leur vie d'une manière assez sable, identité de ceux qui sont passés et condamnés à être dans la prostitution. Tout ça, ce sont des condamnations qui ont été données contre nos vies et qui subsistait contre nous. Quand on dit subsistait, ça veut dire peu importe ce qui venait, ce qui passait, ces choses-là allaient demeurer. Ça veut dire que parfois, il y a des offrandes qu'on peut donner.
Parfois, il y a des chants qu'on peut chanter. Parfois, il y a des paroles qu'on peut dire. Il y a des déclarations qu'on peut faire. Mais lorsque nous ne nous attachons pas à ce qui a été fait dans 2 Colossiens 14, ces choses vont subsister. Amen. Et en dernier, il dit, il l'a détruit. Oh yes. God. En le clouant à la croix. Yes. Non seulement il l'a effacé, il a retiré ces choses de nous. Mais au lieu que ces choses soient quelque part dans l'atmosphère en train de naviguer, de nous attendre au tournant, le Seigneur a pris ces choses et les a clouées à la croix pour la raison pour laquelle, parce qu'il devait détruire cela. Amen. Ça veut dire que lorsque nous nous attachons à cette révélation, il n'y a pas de possibilité que ces choses dont l'accusateur veut nous accuser aient efficacité dans nos vies. Yes. La prière que nous allons faire, c'est Seigneur, fais taire la voix. Nous ne voulons pas payer le pot cassé de nos parents. Nous ne voulons même pas payer les pots cassés de nos nations. Nous ne voulons pas vivre ce que les principautés, ce que les lois spirituelles imposent dans notre pays, dans nos nations. Fais taire la voix de chaque accusateur dans ma vie. Lorsqu'ils se présenteront devant toi avec des preuves contre moi, laisse que moi, alors que je me tiens devant toi avec le sang de l'agneau, que tu te souviennes que tu as détruit cette ordonnance. Là, tu es pris avec moi, pris avec moi. Tape les mains et prie. Shalabaya kalababa shete le braya. Izala brusa keta la vayi kalabraman tele vaya. Izala brahiza tu la bria. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions. According to your word. Father, we pray. According to your word. Que tu puisses, éternel Dieu, briser, détruire, Seigneur, la voix de l'accusateur dans nos vies. Oh Père, peu importe le mal, peu importe le bien, que tous ceux qui se présentent devant toi, que tous ceux qui se présentent devant ton trône, que tous ceux qui se présentent devant toi, que tous ceux qui élèvent des autels, que tous ceux qui élèvent des sacrifices contre nos vies avec des accusations, fais taire leur voix. Fais taire leur voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Come on, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Shaladadada mayaka. Ela bababa shita. Rikata la mayaka. Je refuse. Je refuse de passer à côté de ma destinée. À cause d'un accusateur. Je refuse de passer à côté de mon élévation. À cause d'un accusateur. Je refuse de passer à côté de ma destinée. À cause des personnes mal intentionnées. Ils pouvaient avoir des preuves contre moi. Ils pouvaient avoir des voies et des lois. Mais je me présente avec la loi qui a détruit toutes les autres lois. Par le sang de l'agneau. Par l'œuvre de la croix. Seigneur, brise leur méchanceté. Fais taire leur voix. Chaladea. Fais taire leur voix. Commande, prie, 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 prie avec moi. Une bouche fermée est une destinée fermée. A closed mouth is a closed destiny. Pray with me. Pray with me. Shaladaya katalabayaka. Ela babababa shete lebradisha. Rekatela. Tous les accusateurs qui se lèvent pour combattre ma famille, pour combattre mes enfants, pour combattre mon mari, pour combattre ma femme. Tous les accusateurs qui se pour combattre mes études, pour combattre mes finances, pour combattre mon église, pour combattre ma destinée, pour combattre ma santé. Fais taire leur voix, fais taire leur voix, fais taire leur voix. Que la voix de l'autel de Jésus crie plus fort que la voix des autels qui sont en train d'élever. Père, fais-le perdre toute raison devant toi. Fais-leur perdre toute raison par rapport à moi. Fais-leur perdre toute raison par rapport à ma famille. Fais-leur perdre toute raison par rapport à ma destinée. Père, fais-leur perdre toute raison. Fais taire la voix des ennemis. Fais taire la voix des ennemis qui s'élèvent contre moi avec leur méchanceté. Qui s'élèvent contre moi avec leur méchanceté. Oh, those wicked people, God. Shut them up.
Listen to me. Écoute-moi. L'accusateur a accès d'entrée dans la présence et le conseil peut-être de Dieu, la présence de Dieu, et se présenter devant Dieu et dire: je vois Job, je vois sa vie. Oui, il va bien, il te sert bien, il te craint bien. Mais si tu lui ôtais tout ce qu'il avait, je crois que il t'aurait déjà renié. Parfois, l'accusateur ne va pas se baser sur notre passé pour nous discréditer devant Dieu. Parfois, l'accusateur va même utiliser le bien qu'on fait pour donner à Dieu peut-être une raison de prouver au diable qu'il a tort. Mais pour notre cas à nous, moi j'ai dit à Dieu: Seigneur, dans ma vie, je ne peux jamais être Job. Je refuse la partie où tu le testes, parce que je ne peux pas prendre du retard dans ma destinée, parce que tu as un point à prouver au diable. Prouvons-lui ce point-là dans la prière. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes vraiment conscience que lorsque l'accusateur se tient, il se tient no mercy. No mercy en anglais, ça veut dire sans pitié. Il se fout de quelle famille tu sors. Ça ne regarde pas les problèmes que tu as eu dans ta vie. Lorsque l'accusateur vient contre toi, il vient pour te détruire, toi et tous ceux qui viendront après toi. Pour preuve, lorsque l'accusateur est venu, la première chose qui s'est passée, c'est que les enfants de Job sont partis. Les biens de Job sont partis. C'est Job qui est resté. Parfois dans la vie, si on ne fait pas attention à la voix de l'accusateur, on peut rester là, on est en vie, mais tout autour de nous est détruit. Là où tu es, lève ta main avec moi. Prie que Dieu anéantisse, détruise, fasse taire, engloutisse la voix des accusateurs contre ta vie. Ça peut être le diable. Ça peut être ton grand-père, ta grand-mère, ta voisine, ton cousin, un ancien professeur d'école. On ne sait pas d'où nos combats viennent. Tout ce qu'on sait, c'est que parfois on se réveille un matin et que les choses sont contre nos vies. Prie avec moi dans le nom de Jésus.
Fais taire la voix des accusateurs. Que nous ayons des liens de sang ou non. Que nous ayons fait un pacte ou non. Que nous ayons marché ensemble à un moment ou non. Que nous ayons été dans la même école. Que nous ayons été dans la même cour. Que nous ayons été dans le même quartier. Que nous ayons mangé dans la même assiette. Que tous ceux qui se lèvent contre ma vie avec des accusations. Oh Père, fais taire la voix des accusateurs. Fais taire la voix des accusateurs. Nous ne voulons pas perdre notre destinée. Nous ne voulons pas perdre le temps, Seigneur. Rosa pila fricati la vita la va in tale doscia. Malenka la baia catala. E la bracatela. Sulla zita lisa bescia. Ma la catala. Sulla precatela. Ma la nana baia tala baia catala. E la supa le patela. Fete la voix des accusateurs. Peu importe qui ils sont. Peu importe où ils viennent. Peu importe ce qu'ils veulent. Seigneur, fais taire leur voix. Fais taire leur voix. Fais taire leur voix. Fais taire leur voix. Seigneur, fais taire leur voix. Chez la Dayaka. Et la Sela. Malata là-bas. Rika soupale chalecha. Malata la katala katala. La katala. Le nom de Jésus. Fais taire leur voix, Père. Fais taire leur voix, Père. Fais taire leur voix, Père. Malata là-bas, Yakata. Recaché. Listen to me. Nous allons prier. Parfois dans la vie, nous faisons des pactes et des alliances avec les gens, avec nos paroles. Dans nos jeunes âges, surtout les jeunes femmes, tu sors avec un homme, tu lui dis à part toi, si je ne t'épouse pas, je ne vais jamais me marier. Si je ne finis pas ma vie avec toi, je vais mourir. Parfois, nous avons des paroles que nous faisons des alliances et des pactes qui ne sont même pas des choses conscientes. Parfois, mais par inadvertance, nous parlons contre nos propres vies. Tu es là ces jours si tu n'as pas trop d'argent comme d'habitude. Et tu déclares de ta bouche, non, je n'ai pas d'argent. Ah, ces jours si je suis vraiment pauvre. Vous ne savez peut-être pas, mais parfois ces paroles peuvent être rattrapées dans le monde spirituel et être une voie par laquelle nos ennemis, le diable, court avec cela et prend, lorsqu'il le dépose et le présente devant la cour, lorsqu'il veut attaquer nos vies. Ah, ok, peut-être vous avez un lien de sang, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, parce que cette personne est quand même covered, à part ça, quelle autre preuve que tu as contre cette personne? Par preuve légale, il dit cette personne elle-même avait dit, moi en tout cas, je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Moi en tout cas, je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Et on se retrouve à l'âge de 35 ans. On n'arrive pas à enfanter. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un avait pris les paroles qu'on avait déclarées un jour. Là où tu es, si tu ne peux pas te rappeler de tout, j'aimerais quand même que tu t'élèves contre les paroles que tu as pu avoir déclarées contre ta vie, par laquelle le diable peut prendre et aller courir avec ça contre toi. Et tu renverses ces paroles. Tu dis, j'avais peut-être dit ça. Ah, je l'annule et je déclare que je suis riche. Là où tu es pris avec moi dans le nom de Jésus. Shaladayaka labayaka. Et la baba chète. Toutes les paroles qui ont été relâchées de ma bouche, qui m'ont mis dans une alliance dans laquelle je n'étais même pas consentante, qui m'ont mis dans une alliance dans laquelle je n'étais même pas consciente. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je renonce à ces paroles. Toutes les paroles où j'ai dit que je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie, que tous les hommes sont mauvais, que je ne veux pas me marier. Toutes les paroles contre ma vie, qui sont contre ma vie, je déclare cet après-midi, je déclare cet après-midi que je renverse cela, je détruis cela et je déclare et décrète
que je suis béni. Je déclare et décrète que je suis riche. Je déclare et décrète que je vais enfanter. Je déclare et décrète, oh, que je vais accoucher. Je déclare et décrète que je vais me marier. Je déclare et décrète que je vais m'élever, que je vais prospérer. À la pragakata, toutes les alliances qui ont été faites pendant mon enfance, pendant mon adolescence, pendant mon âge adulte, que j'ai fait avec des hommes, que j'ai fait avec des femmes, que le feu de l'esprit consume cette alliance, que le feu de l'esprit consume cette alliance. We set fire in the name of Jesus. We set fire in the name of Jesus. Que le sang, le feu puisse consumer cette alliance. Nous renversons ces paroles. Nous renversons ces paroles. Nous renversons ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi ne prenne pas l'opportunité à la côté. Ne prenne pas l'opportunité de nous sceller par nos propres paroles. Que nos ennemis ne prennent pas l'opportunité de nous sceller par nos propres paroles. De nous bloquer par nos propres paroles. Là où j'avais déclaré la mort, je déclare la vie. Là où j'avais déclaré la mort, je déclare la vie. Là où j'avais déclaré la mort, je déclare la vie. Là où j'avais déclaré la perte, je déclare l'élévation. Là où j'avais déclaré l'échec, je déclare la réussite. Oh my God, sur mes enfants, toutes les paroles que j'avais déclarées, même en insulte, je libère maintenant les paroles de bénédiction. Ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Je déclare. Je déclare, Shalata Kalaba, Rekasheke Telelebosa, Mandere de Boschaka, Rika Shalabaya, oh, Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, que mon étoile soit visible. Que mon étoile soit visible. Pour écouter Abisso bien. Mon père, mon père. Mon père, mon père. My father, my father. My father, my father. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Que mon étoile. Que mon étoile. Soit visible. Soit visible. Que mon étoile. Que mon étoile. Soit visible. Soit visible. Maintenant, écoutez. Nous allons prier d'une manière très spécifique. Nous allons prier que de la même manière qu'à la naissance de Jésus, yes, nous avons pu parler, les rois mages ont pu voir l'étoile et savoir où Jésus était parce qu'ils le voulaient du bien. Que les héros de nos vies, ayant entendu ou senti dans l'atmosphère qu'un roi est né, mais qu'ils ne peuvent pas voir là où cette étoile est en train de briller, raison pour laquelle Hérode a dû lancer un décret et tuer tous les enfants nouveau-nés parce qu'ils ne savaient pas l'étoile était où. Tu vas prier avec moi. Au lieu d'avoir du retard, au lieu qu'on cache ton étoile jusqu'à ce que tes ennemis meurent, tu vas dire non Seigneur, que mon étoile soit visible pour les mages de ma vie, que mon étoile soit visible pour les partenaires de ma vie, yes, que mon étoile soit visible pour ceux qui sont liés à ma destinée, yes, mais que tous les Hérodes de ma vie, yes, qui me veulent du mal, qui veulent me tuer, yes, dans le nom de Jésus, que mon étoile leur soit invisible, frappe-les d'aveuglement, prie, yes, avec moi dans le nom de Jésus. Laisse que ma destinée help me find me on their way. Laisse que tous mes partenaires me trouvent. Mais que tous les héros de ma vie, liés par le sang ou pas, amis ou pas,
qui ne voient pas l'étoile de ma vie, qui ne voient pas l'étoile de ma vie, peu importe leur lien avec moi. Frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, même si on dort dans le même lit, même si nous sommes dans la même église, même si nous sommes dans le même lieu, frappe-les d'aveuglement, qui ne voient pas mon étoile, que mon étoile soit visible à mes partenaires, qui ne sachent pas où frapper, que lorsqu'ils me chercheront, ils se rendent compte que dans leur radar de sorcier, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne voient pas mon étoile, mais lorsqu'ils regarderont encore dans le monde physique, ils ne comprendront pas qu'il y a réellement un roi qui est en train de vivre, ils ne comprendront pas que quelqu'un est en train de prospérer, ils ne comprendront pas que mes enfants sont en train de s'élever, ils ne comprendront pas que l'église est en train d'avancer, ils ne comprendront pas comment se fait-il dans leur radar, ils ne nous voient pas, mais dans la vie physique, nous sommes plus élevés que eux. Seigneur, rends mon étoile visible, rends mon étoile visible à ma nation, rends mon étoile visible là où je dois briller, rends mon étoile visible là où on doit m'élever, mais frappe mes ennemis d'aveuglement, tous les hérodes de ma vie, tous les hérodes de ma vie, frappe-les d'aveuglement, et la daya daya baya kala dosa, ribashi la breka tele le basita, rosa baya katala, et la baya kala baya, rosa peta le braketa, izapi la bripati sha, rosa katala, ima la papaba, le kaka la baya kasa, rosa le brabi kala supa le braka, rosa pela la baya kala supra le sha, le seke dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que mon étoile ne s'arrête jamais de briller. Que mon étoile soit toujours visible. Que mon étoile soit toujours visible. Que mon étoile brille encore plus chaque jour. Que mon étoile soit toujours visible. Mais que tu frappes aveuglément les hérodes de ma vie qui ne me voient pas. Qu'ils me cherchent mais qu'ils ne me trouvent pas. Qu'ils me cherchent mais qu'ils ne me trouvent pas. Frappe les hérodes de ma vie d'aveuglement. Les calabaya caladoche. Que les mages me voient, que mes partenaires me voient. Que ma bénédiction me voie, que mon mari me voie, que ma femme me voie, que mes millions me voient, ah Jésus, que l'entreprise me voie, que l'entreprise me voie, que les professeurs me voient, mais que mes hérodes ne me voient pas, que ceux qui en veulent à ma fille ne me voient pas, que ceux qui veulent mon mal ne me voient pas, ils m'ont vu toutes ces années, ils m'ont vu depuis ma naissance, ils m'ont vu depuis notre première rencontre, mais qu'à partir d'aujourd'hui, que mon étoile leur soit cachée, que lorsqu'ils regarderont dans le radar physique, qu'ils voient que je suis en train de prospérer, qu'ils voient que je suis en train de monter, mais lorsqu'ils regardent dans leur radar sorcellerique, qu'ils voient rien du tout, qu'ils n'arrivent pas à me cerner, qu'ils n'arrivent pas à me comprendre, qu'ils n'arrivent pas à me trouver, qu'ils n'arrivent pas à me saisir, la cala la baya kala baya ta libre de rebosha le brade chete libre de rebosha la baya kata libre de rebosha all the enemies of progress all the enemies of progress all the enemies of progress tous les ennemis de nos progrès qu'ils soient frappés d'aveuglement en cette saison qu'ils soient frappés d'aveuglement en cette saison qu'ils soient frappés d'aveuglement en cette saison j'aimerais que maintenant tu déclares sur chaque ennemi de ta vie, yes. Ce que tu aimerais qu'il leur arrive. Yes. Moi, pour ma part, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Amen. Je ne veux pas qu'ils meurent parce qu'ils doivent voir ma gloire, mais qu'ils soient frappés d'aveuglement face à mon étoile. Amen. Lorsque je commence à m'élever, qu'ils n'arrivent pas à voir quel chemin le Seigneur me donne, mais qu'ils voient seulement dans le radar physique que nous sommes en train d'être élevés en Christ. Déclare dans le nom de Jésus que mes ennemis soit frappé d'aveuglement. Ayata la kayakata. Le palé patala. Nika la 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 la
Oh Seigneur, qu'ils soient frappés de leur aveuglement, qu'ils soient désarmés, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient désarmés dans le nom de Jésus. Kashita la brosse. Oh la telebraya. Maleka teleba. Rota sikata. Oh Jésus. Oh Jésus. Kalita la bosha. Maleta la baya. Mande rebosha. Rika talaba. Kale papa laba. Shila pre. Oh Jésus. Oh Jésus. Shila tere rebosha. Nous allons prier contre les malédictions qui sont élevées contre nos vies. Il est vrai que lorsque nous venons à Christ, certaines choses tombent automatiquement. Mais il est également vrai que certaines malédictions poursuivent nos vies. De la même manière que le bonheur et la grâce poursuivaient la vie de David après cet événement du psaume 23, il y a certaines personnes dont la poisse, le malheur, la pauvreté, la mort poursuivent leur vie. Et nous allons prier, Seigneur, que malgré les malédictions, yes, parce que parfois les malédictions ne seront pas ôtées de ce monde-là. Eux, ils vont voir que les malédictions sont encore là. Mais que malgré les malédictions, comme Caïn a été mis un signe sur sa tête. Yes. Dieu le maudit. Mais Caïn entre dans une ville, se marie, a un enfant et bâtit une ville. Caïn a tous les signes d'un homme stable, malgré qu'il avait la malédiction de Dieu sur sa vie. Et à combien plus forte raison, la malédiction du diable, la malédiction qui sort de la bouche de nos ennemis, la malédiction qui sort de la bouche des gens qui nous condamnent et qui nous combattent. Nous allons dire, Seigneur, malgré la malédiction qui s'est dit à notre naissance, malgré les cérémonies, nous voulons bâtir. Yes. Nous voulons croître. Yes. Nous sommes fatigués d'être mis sous un glass ceiling, sous un, yes, plafond à cause que nous avons conscience d'une malédiction qui est quelque part. Yes. Nous savons que nous pouvons prospérer malgré ce que eux croient. Lorsqu'ils regarderont leur radar sorcellerique, ils verront la malédiction. Mais lorsqu'ils, amen, viendront dans le monde physique, ils verront la bénédiction. Amen. Là où tu es, parle dans le nom de Jésus. Là-bas, tape les mains et prie, tape les mains et prie. Rakata la bayata la bayakata la. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que malgré la malédiction de nos ennemis, malgré la malédiction de nos ancêtres, malgré la malédiction de nos terres, malgré la malédiction de nos sexes, malgré la malédiction des gens avec qui nous nous sommes séparés, malgré la malédiction de ceux qui nous jalousent, Seigneur, malgré tous ces occultistes qu'ils ont vus, malgré nos photos qu'ils ont emmenées chez les marabouts, malgré nos noms qu'ils ont emmenés chez les marabouts, malgré nos vêtements qu'ils ont emmenés chez les marabouts, malgré nos cheveux qu'ils ont emmenés chez les marabouts, oh, malgré le sable de nos pieds qu'ils ont emmenés chez les marabouts, les calabres, nous prions dans le nom de Jésus que dans leur radar à eux, qu'ils voient que la malédiction est toujours en cours, mais lorsqu'ils viendront dans le monde que nous dominons, qu'ils voient que malgré leurs paroles, malgré leurs manigances, nous sommes en train de nous élever. Ils ont qu'à continuer à faire leur réunion, mais nous savons et nous voyons que nous sommes en train de s'élever. Nous sommes en train de monter. Donne-nous la force de bâtir. Donne-nous la force de bâtir. Donne-nous l'habileté de bâtir. Malgré tout, permets-nous de vivre nos vies. Malgré tout, permets-nous d'avoir une longue vie. Malgré leur décret, que dans notre famille, tout le monde meurt à l'âge de 45 ans. Permets-nous de vivre jusqu'à 95 ans. Malgré que dans leur liste, nous sommes sur la liste de ceux qui vont mourir du cancer, qu'à l'âge de 15 ans, ils auront le conseil que ce halabayakata qui sera entré dans les choses vides de la vie, de ceux qui seront entrés dans des vies bizarres, mais que lorsqu'ils regardent dans le monde que nous dominons, qu'ils voient que nous sommes en train de prospérer, que nous sommes bénis, que nous sommes bénis.
et que le feu de Dieu consume les qui ont été faits contre nous. Peu importe avec quoi ils vont s'élever. Peu importe avec quoi ils vont s'élever. Peu importe avec quoi ils vont s'élever. Nous déclarons la prospérité dans l'adversité. Seigneur, mon Seigneur, que tu es plus fort que malgré l'adversité. Tu nous as élevés. Tu nous as mis dans une place de stabilité. Tu nous as mis dans une place de stabilité. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans leur camp, que lorsqu'ils voient nos vies, qu'ils ne comprennent pas, que nous sommes comme des aigles qui s'élèvent, mais lorsqu'ils regarderont leur miroir, qu'ils nous voient comme des poulets qui sont enfermés, mais qu'en réalité, nous sommes des aigles, et là-bas, il y a Galabaché, et nous avons déjà pris notre envol, et qu'il n'y ait plus moyen qu'ils puissent nous arrêter. Donne-nous la stabilité dans l'adversité, donne-nous la victoire dans l'adversité. Donne-nous la réussite dans l'adversité. Donne-nous le succès dans l'adversité. Donne-nous les enfants dans l'adversité. Oh Père, prouve-leur que même sans matrice, une femme peut enfanter. Père, prouve-leur que sans matrice, une femme peut enfanter. Prouve-leur que même avec un historique bizarre, une femme peut se faire honorer. Prouve-leur que même un homme sans éducation peut devenir millionnaire. Prouve-leur. Achalabayakata. Donne-nous la stabilité dans l'adversité. Donne-nous la stabilité dans l'adversité. Oh Jesus. Oh Jesus. Dis avec moi, mon père. My father. Mon père. My father. J'aimerais que ça sorte de tes tripes. Mon père. My father. Oh God. Yes. Nous allons prier, Seigneur. Nous voulons que notre vie sur terre soit en accord avec les cieux. Yes. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que lorsque le Seigneur Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, yes. que ça ne soit pas la terre du gazon, que ça ne soit pas la terre des pommiers, mais que ce soit la terre de ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est au ciel. Que dans ma vie, que seul le modèle que tu as fait dans les cieux soit éligible, soit permis, soit effectif. Pourquoi est-ce important? Lorsque Moïse monte sur la montagne avec le Seigneur et que le Seigneur l'instruit pour construire le tabernacle, Seigneur, le Dieu dit à Moïse, il dit, construis le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré. Le seul modèle qui a été montré à Moïse est le modèle qui était dans les cieux. Et voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, le tabernacle a autant d'efficacité. Voilà pourquoi, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, le tabernacle a autant de force.
choses. Lorsque nous nous accrochons à ce qui vient des cieux, lorsque nous vivons par rapport à ce qui a été déjà fait dans les cieux, il n'y a pas moyen d'échouer. Il n'y a pas moyen de taper à côté. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes fatigués de faire nos propres choix. Nous sommes fatigués d'avoir créé les circonstances de nos propres vies. Nous sommes fatigués de nous être associés aux mauvaises personnes. Nous sommes fatigués d'avoir fait les choix qu'il ne fallait pas. À partir de cet après-midi, que toutes nos vies soient le reflet de ce que tu as préparé dans les cieux. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Qu'à partir de maintenant, à partir de maintenant, toutes les choses qui se passeront dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, dans mes études, dans mes études, dans mes finances, dans mes finances, dans mon église, dans mon église, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes pour enfants, pour mon mariage, pour mon mariage, pour ma carrière, pour ma carrière, pour ma destinée, pour ma destinée, pour mon ministère, pour mon ministère. Sois le reflet, sois le reflet de ce qui a été fait dans les cieux, de ce qui a été fait, ce qui a été appointé dans les cieux, de ce que tu as appointé dans les cieux. Là où tu es, tape les mains très fort et prie avec moi, Seigneur, relâche dans ma vie, relâche dans la terre de ma vie ce qui a été fait dans les cieux. Kaladayaka talabayaka elabelebache ratus pati la krikatela emalabayaka talabayaka talabayata. Seigneur, nous savons que tout ce qui est fruit du ciel, tout ce qui est fruit du ciel ne peut pas périr, va subsister, peu importe. Nous savons que tout ce qui est fruit du ciel va subsister, peu importe. Père, que tous les domaines de nos vies soient le reflet de ce qui est dans les cieux. Que tous les domaines de nos vies soient la perfection que tu as préparée pour nous. Que tous les domaines de nos vies soient le reflet de ce que tu as déjà écrit. Et la baya kata la baya. Oh Père, nous te demandons, Seigneur, nous ne voulons plus nous baser sur notre connaissance. Nous ne voulons plus nous baser sur les manigances du diable. Nous ne voulons plus arrêter la baya kata la baya. Nous ne voulons plus permettre au diable, le Seigneur, de nous mettre dans des positions d'incertitude, de nous braver avec des fausses opportunités. Nous ne voulons plus donner au diable l'occasion de nous tromper avec des fausses choses, de nous tromper avec une fausse destinée. Katala, katala, katala. Et la bossa télévraï, kala souprati chati la baya. Le kalabaya, kalabaya, katala ba. Et la belle bachita la baya, katala. Re katala. Si Pierre, oh God, si Pierre était resté pêcheur de poissons, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui. Mais c'est lorsqu'il est devenu pêcheur d'hommes que son histoire s'est fait entendre. Seigneur, tout ce que le diable va emmener dans ma vie, même si la chose n'est pas mauvaise, mais si elle me met à côté de ma réelle profession, si elle me met à côté de ma réelle destinée, Seigneur, je n'en veux pas. Laisse que le ciel vienne sur ma terre, que le ciel vienne sur ma terre, que mon ciel vienne sur ma terre. Come on, pray. Prie avec moi. Ne te fatigue pas. Nous prions pour la destinée. Nous prions pour la destinée. Nous n'allons pas jeûner en vain. Nous n'allons pas prier en vain. Nous n'allons pas prier en vain. Seigneur, que mon ciel vienne sur ma terre. 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 Oh, les braquettes à la la suite à les barades. Que mon ciel vienne sur ma terre. Que mon ciel vienne sur ma terre. Seigneur, je veux vivre ce que tu as écrit. Je veux vivre la perfection de ce que tu as écrit. Que mon ciel vienne sur ma terre. 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 Re katala 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 katala
que mon ciel vienne sur ma terre, que mon ciel vienne sur ma terre, que mon ciel vienne sur ma terre, que mon ciel vienne sur ma terre. Je refuse de vivre l'enfer. Je veux que mon ciel vienne sur ma terre. Je refuse de vivre l'enfer. Je refuse de vivre le reste de mes jours avec mes incapacités, avec mes faux choix. Que mon ciel vienne sur ma terre. Seigneur, que mon mariage prenne le modèle du ciel, que mes enfants prennent le modèle du ciel, que mes études prennent le modèle du ciel, que mon ministère prenne le modèle du ciel, que ma famille prenne le modèle du ciel, que ma santé prenne le modèle. Ah Seigneur, si au ciel il y a des malades, nous acceptons la maladie. Mais si il n'y a pas de malades, que ma santé prenne le modèle du ciel. Ah la telekatela, riba subrakatala, l'anteleza telebaya. Que ma famille prenne le modèle du ciel, que mon église prenne le modèle du ciel. Et la pella kata, que ma carrière, que ma profession, que mes affaires prennent le modèle du ciel, à moins que l'or et l'argent, à moins que les plus beaux diamants ne se retrouvent pas dans les cieux, alors j'accepte la pauvreté. Mais si, Seigneur, dans les cieux, il n'y a que les plus belles choses, il n'y a que les choses les plus précieuses, je refuse les choses vides, je refuse la pauvreté. Et la kalabaya, katalabaya. Nous voulons vivre, Seigneur, le modèle parfait du ciel. Nous voulons vivre, Seigneur, le modèle parfait du ciel. Recaladora bayante le kaya tele bayanto la sibratira tele brekale malala indala dayante rota shila bribari shanti vraika mantele bayara la bossa malaka ante la kita libra ita la suma liva ate malaha supra kata la kita le shate mele mere baya o la prika tu la simha he la kaya he la kaya. Hé la Kaya. Nous demandons, Seigneur, le ciel sur notre terre. Notre ciel sur notre terre. Nous savons que nous avons une identité au ciel. Nous savons que nous avons une destinée parfaite dans les cieux. Oh, les atelekaya, la zoprati chatela, ramanta la sotaka. I pale pale pata, la zipra suma le pale hante le kos, rikata la bayankete, libère sur nous notre ciel, libère sur nous notre ciel, libère sur nous notre ciel, chatata, chatata, et la kate. Ricasso, randi la kata, et la palatos, lika la babaj. Nous voulons que nos vies soient bâties selon le modèle qui est au ciel. Nous voulons que nos vies soient bâties sur le modèle qui est au ciel. Parce que nous savons, Père, que lorsque les cieux descendent vers la terre, qu'il ne peut pas y avoir interférence, qu'il ne peut pas y avoir changement de programme pour nos vies. Lorsque ce qui est dans les cieux est établi sur nos terres, il ne peut pas y avoir changement de programme. Oh Père, établis sur nous les décrets qu'il y a dans les cieux. Établis sur nous toutes les bénédictions célestes qu'il y a en Jésus-Christ. Qu'elles deviennent terrestres pour nous. Que toutes ces choses célestes deviennent terrestres. Parce que tu nous as donné la terre afin de vivre comme toi. Nous refusons de mourir comme des simples hommes. Mais nous voulons vivre dans la divinité. Nous voulons que ces choses célestes deviennent terrestres pour nous. Shaladaya katalabayata. Ela bayante le brossa kita libadesha kalanta la dalabayata kala suprapisha liva intalabra. Nous voulons ces choses célestes. Nous voulons ces choses célestes. Yes. Oh Lord. Là où vous êtes avec moi, pendant une minute, vous allez prier avec moi en langue. Si vous ne savez pas prier en langue,
élevez simplement le nom de Jésus. Alléluia. Priez avec moi. Vous êtes avec moi. Tapez les mains une fois. Tapez les mains deux fois. Tapez les mains trois fois. Alléluia. Amen. Ok. Je parle à tous les prayer warriors, les guerriers de la prière. Yes. Priez avec moi en langue pendant une minute de toute votre force, de toute votre force, yes, de tout votre esprit. Come on, pray with me. Yes. Oh, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou. Le calada ya teleboshata. Supala ikazi brada deboshata. La ekarimana deboshata. La brute de mana deboshata. Heka pali tonta la manita la hanto. La derin pali sepente de mana deboshala. La kute, la kute, la kute, la kute. L'itara maitara boshata. Zimando loi brada eka zute de mana deboshata. The God of the spirit of the prophets. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment, nous croyons que nos prières se sont élevées vers les cieux. Amen. On se donne encore rendez-vous ce soir à partir de 16h30 pour notre grande plénière avec notre père, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que le prophète Bob Sion Kassissi. Que Dieu vous bénisse et à Amen. Très bientôt. Shalom.